Wesh les reilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur MW2. Et dans cette vidéo, je vous partage un gameplay avec les 50 GS. Dans cette vidéo, on va analyser les statistiques et on verra la meilleure classe pour éventuellement essayer de mettre des petites fessées à ses adversaires, puisqu'on va voir que cette arme va être quand même relativement compliquée. On commence avec les statistiques de dégâts et de portée. Le 50 GS va one shot dans la tête et le cou. Et tout ça, c'est à une portée de jusque 25,1 mètres. Donc là, c'est vraiment une très grosse portée. Et sinon, si on one shot pas, on lui faudra mettre 2 balles pour tuer son adversaire. Concernant la cadence de tir, elle va être très lente puisqu'on aura seulement 167 balles par minute. Et de ce fait, au niveau du TTK, donc pour le temps pour tuer, ça va être de 0 millisecondes dans la tête et le cou, ou sinon 360 millisecondes si on fait un hit marker. Et pour l'akimbo, on va dire qu'en quelque sorte, ça va être le même TTK, sauf que théoriquement, on est tout le temps censé one shot. Concernant la mobilité, le temps de visée est de 210 millisecondes, évidemment avec la classe akimbo. Le temps de visée, même s'il est relativement mauvais, est totalement inutile puisqu'on ne peut pas viser. Et sinon, on a un temps de sortie de sprint de 80 millisecondes comme tous les autres pistolets. Concernant les munitions, par défaut, on a un chargeur de 7. On peut équiper un chargeur jusque 13 munitions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et concernant le temps de rechargement, il est de 1,27 secondes. On va donc voir la meilleure classe à équiper pour mettre un maximum de fessées à ses adversaires. Tout d'abord, concernant le canon, on va équiper le SA Longshot 50. Au niveau de l'ajustement, on va mettre un maximum de stabilité du recul ainsi que de portée des dégâts. Pour la bouche, le XF50 GS avec un maximum de recul faible et de vitesse des balles. Pour la gâchette, c'est la détente SA compétition avec un maximum de recul faible et de temps de sortie de sprint. On va également équiper le chargeur de 13 munitions ainsi que l'accessoire akimbo. Concernant les accessoires les plus importants, on a l'accessoire akimbo qui est pour moi l'accessoire essentiel pour tous les pistolets. Cette arme va permettre d'avoir un deuxième 50 GS et de ce fait, on est censé one shot chacun de nos adversaires puisque de base il faut 2 balles pour tuer. Donc si on a 2 pistolets, on met 1 balle avec chacun des pistolets en tirant en même temps, on est censé one shot, même si évidemment de temps en temps il n'y a qu'une seule des 2 balles qui va toucher son adversaire. Donc je vous conseille quand même de spammer le bouton tirer. Ensuite, je vous conseille le chargeur de 13 munitions, c'est la plus grosse capacité chargeur qu'on puisse équiper sur cette arme. Et vu qu'on va quand même avoir tendance à spammer le bouton tirer, eh bien ça reste quand même une très bonne chose. En plus, si on équipe des atouts différents de pierre, eh bien ce sera quand même intéressant parce qu'on va pouvoir avoir pas mal de réserves de munitions. Et donc on va pouvoir faire des petites séries. J'allais dire assez facilement, mais vu que l'arme n'est pas non plus si efficace que ça, voilà. Mais ce sera toujours mieux qu'avec un chargeur de 7 munitions. Et ensuite, au niveau des autres accessoires, on améliore au maximum la portée, le temps de sortie de sprint et la cadence de tir. Et évidemment, vu qu'on est en akimbo, ça sert absolument à rien d'améliorer les statistiques de visée accélérée et de vitesse de marche en visant. Avant de donner mon avis sur le 50GS, je vais vous faire part d'un détail qui va avoir son importance et qui va également donner un premier aperçu sur mon avis sur cette arme. Alors je pense que vous l'aurez remarqué, mais sur la plupart des vidéos meilleure classe, je fais une compilation de mes meilleurs moments. Et là, sur cette vidéo, c'est une game en entier.
Alors, on pourrait dire que si je mets ma game en entier, c'est que c'est une bonne game et que dans ce cas-là, ça veut dire que l'arme est correcte. Évidemment, si je vous partage cette game, ça veut dire que j'estime qu'elle est intéressante. Mais comme vous l'aurez probablement remarqué, dans cette game, je meurs par énormément de campeurs. Entre les campeurs allongés, les campeurs dans des coins, les campeurs en high glitch, vraiment là c'est le festival des campouges. Voilà, il y en a pour tous les goûts, donc voilà. Et clairement, bah, ça c'est pas un problème qui est lié à l'arme directement, c'est un problème qui est lié à la map Shipment. Bon évidemment, je vais pas vous faire part de tous les problèmes qu'il y a sur Shipment. C'est pourquoi je vais passer directement à mon avis sur le 50GS. Comme pour tous les autres pistolets, cette arme ne sera efficace que sur Shipment. Et de ce fait, on va avoir tous les problèmes qu'on a déjà vu très rapidement dans cette vidéo liés à la map Shipment. Alors pourquoi jouer sur cette map et pas sur les autres? Eh bien, la raison principale, c'est notamment pour le rush. Si on veut rush avec le 50GS, il faut équiper l'accessoire Akimbo. Et pourquoi on peut pas rush sans l'accessoire Akimbo? Tout simplement parce qu'avec une seule arme, déjà on va très rarement one-shot ses adversaires. Et en plus de ça, on va avoir un temps de visée qui est relativement long. Et en jouant en Akimbo, on va énormément réduire la portée indirectement. Puisque certes, on a une portée de 25 mètres, mais avec l'Akimbo, la précision au jugé, ce sera environ jusqu'à peut-être 10, peut-être 12 mètres grand maximum. Mais voilà, on va jamais pouvoir challenge ses adversaires avec beaucoup de portée. Et même sur des portées de 8, 10, 12 mètres, ça commence déjà à être assez compliqué parce que le tir au jugé va faire n'importe quoi. Donc ça, c'est un petit peu le principe de l'Akimbo. C'est très, très efficace à courte portée, mais dès qu'il y a un petit peu de distance, c'est la galère. Et ce qui va rendre le 50JS catastrophique, c'est selon moi le TTK. Certes, on a pu voir qu'on a 0 millisecondes de TTK puisqu'on va one-shot ses adversaires, sauf que en pratique, c'est quand même assez rare de one-shot. Puisque comme on a pu le voir, on a une portée qui va être complètement mauvaise, puisque dès qu'il y aura un petit peu de distance, le tir au jugé va faire n'importe quoi. Et donc, bah, ça va être très compliqué de one-shot tous ses adversaires, notamment s'ils sont en train de camper, que ce soit allongé, en head glitch ou au fond de la map. Cela veut dire que le temps pour tuer est généralement très long et par conséquent, on va perdre la majorité de ces duels. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu, à me dire dans les commentaires la prochaine arme que vous voulez que je fasse pour la prochaine vidéo. Et je vous invite à vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis... Bisous bisous.